pour aller à Ulst, Pays-Bas, vous pouvez prendre le bus depuis la ville de Sint-Niklaas, Belgique à Sint-Niklaas, vous pouvez acheter une carte de ligne de 16 €. Votre voyage ne coûte que 2,60 € aller-retour pour la ville de Ulst aux Pays-Bas. Une fois sur place, suivez les conseils d'Eric Azenbroeks, qui vit dans la région de Ulst. Ici vous arriverez à la gare routière de Ulst, consultez les horaires du bus pour votre retour. Seul le bus flamand en provenance de Belgique de Line relie 7 sur 7 en Belgique. Les bus néerlandais travaillent à peine le week-end, ne prenez pas ce bus, vous n'en avez pas besoin. Vous avez maintenant le choix de deux itinéraires. Vous allez d'abord à cet endroit pendant 7 minutes, voir l'itinéraire sur la vidéo. Et à cette intersection, vous pouvez vous rendre directement au centre-ville pendant 20 minutes à pied ou via l'autre route pendant 30 minutes pour rejoindre le centre commercial. Ulst ne dispose pas de bus desservant le centre commercial le week-end et, mais je vais vous montrer le premier itinéraire à travers le parc jusqu'au centre commercial. Vous devez marcher ici pendant environ 20 minutes. Vous êtes ici dans la moitié et à la fin. Vous pouvez traverser un pont où tous les magasins connus sont présents, tels que l'Albert Heijn. Le complexe commercial se compose de deux parties, mais comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de bus urbain. Après votre visite, vous pourrez revenir par le pont et continuer jusqu'au centre de Ulst, situé à 15 minutes. Ou vous choisissez l'autre itinéraire de la gare routière que je vais vous montrer maintenant. Si vous souhaitez visiter la ville d'abord, puis le centre commercial, vous revenez sur ce pont. Sur la gauche, traversez le parc en direction de la gare routière ou à droite 10 minutes. Vous êtes au centre de Ulst par la porte de Gand. Je vais vous montrer ici sur la carte de Ulst, au-dessus de la gare routière de Ulst et Ulst est ici le centre commercial et depuis le centre, vous pouvez également revenir à la gare routière. Je vais d'abord vous montrer le chemin inverse, si vous voulez aller directement de la gare routière au centre de Ulst par la double porte. Retour à l'intersection de la gare routière de Ulst. Vous suivez maintenant ce chemin jusqu'à la double porte. Sur le chemin, vous passez le Bierkaai et sur votre droite, vous avez une autre porte historique de Ulst où vous pourrez visiter les vestiges historiques. Également une multitude d'histoires à écouter ici en néerlandais sous forme numérique, mais les informations sont disponibles en anglais, mais malheureusement pas en français. Si vous avez un smartphone avec un lecteur QR, vous pouvez scanner ce code ici et écouter l'histoire en français.
Eric Hazenbrooks a créé cette application pour vous. Ensuite, continuez tout droit sur le quai de la Bière jusqu'au centre. Vous aurez l'occasion de voir de bons restaurants et d'aller dans un bar spécialisé dans le café. Voici la rue de Pierre où se trouvent de nombreux bâtiments historiques de la ville. Sur votre droite, vous avez également l'office de tourisme pour plus d'informations. Ensuite, vous continuez dans la rue jusqu'au marché. Lundi et jeudi, il y a un petit marché néerlandais local. Sur le grand marché de Hulst, vous trouverez des bars et des cafés sympas. Ainsi que la mairie de la ville est ici sur une vue de la basilique de Hulst. Ici vous avez la rue commerçante centrale avec les magasins hollandais classiques tels que Lomé Marins et Mann. La rue, vous arriverez à la porte de Gand. C'est aussi l'entrée de l'autre côté de Hulst, à 15 minutes du centre commercial de la ville. N'oubliez pas de prendre ici une belle photo en souvenir de votre visite en ville. Plus loin, vous avez également une boulangerie néerlandaise où vous pouvez vous asseoir. De l'autre côté de la rue vous trouve Action Store. Hulst n'a pas de gare, mais elle y était. C'est maintenant un café où vous pouvez aussi boire un verre. Ici se termine l'information touristique pour vous aider à explorer Hulst. Vous pouvez retourner à la gare routière le long du parc ou par le centre, faites-le à l'heure car cela prend 30 minutes. Là, le bus sera présent depuis la Belgique, je vous souhaite une bonne journée en ville. La vidéo et la présentation en voie de synthèse ont été réalisées par Eric Hazenbrooks de la région de Hulst. Abonnez-vous à la chaîne YouTube.